Le puits de grand déferlement lit, force et tir affrontent sans cesse. Dans ce monde post-apocalyptique, les êtres suprêmes maléfiques. Ils se cachent dans les monolithes construits par la société démonique. Gros état les a forgés pour corrompre et dominer. Oh, les licornes, seul contre le destin. Les espoirs sont déclamés dans la poussière du passé. Oh, les licornes, seuls contre le destin. Ils courent lentement, ne laisse pas tomber. Oh, les licornes, la lumière dans tes yeux éclipse les ténèbres. Ta force est contagieuse, tu briseras la planète. Construit par la société démonique, Rosetta les a forgés pour corrompre et dominer. Oh, les licornes, seul contre le destin. Ils corrompent lentement, ne laisse pas tomber. Oh, les licornes, les loups sur le trône, le corrompt sans relâche. Et ses espoirs sont déclamés dans la poussière du passé. Les espoirs sont déclamés dans la poussière du passé. Oh, Lily, bats-toi. La lumière dans tes yeux éclipse les ténèbres. Ta force est contagieuse, tu briseras l'anathème. Qu'est-ce que mes rêves séparés. Et on n'est pas trop mal, et on est même très bien. Bonjour la compagnie, voilà, Shock Fury, on est de retour sur Once Human. On va continuer aujourd'hui, on va chasser les Shiny, puisque le jeu, dans le dernier patch, ils ont décidé de faire quelque chose de très idiot. C'est qu'ils ont augmenté le ratio des Shiny. Donc on va faire déjà 2-3 petits trucs pour vous montrer. Donc ici, il y a un chat, mais c'est un chat normal. Donc bon, bah on va le prendre parce que c'est un chat. Mais on va aussi aller s'intéresser à ces petites choses qui sont désormais dans tous les bastions. Je vous montrer ça tout de suite. Il y a des coffres à déviation. Et dedans, vous pouvez choper des déviations normales. J'ai réussi à récupérer une abeille comme ça. Je voulais aller la farmer. Je voulais aller la chercher. Je sais où elle est. J'avais mis le lien en image. Mais j'ai... non. Louée sous la lune, nuit étoilée, morose 2. Bon. Bon bah, on va le tester. J'ai réussi à récupérer quelques chats noirs et blancs, donc on mettra le meilleur des meilleurs des meilleurs. J'ai pas réussi à en choper de chats d'une autre couleur, c'est un peu triste. Enfin bon, voilà. On a... Voilà. On va essayer de voir si je peux choper un chat d'une autre couleur que noir et blanc ou gris ici. Et pour ce faire, c'est pas super compliqué. Vous allez voir, c'est même très très simple. Chaque fois que vous allez dans une base, le petit G, changement de monde. En plus, ici, il n'y a pas de bagnole qui va se mettre au milieu du trajet. Donc, s'il y a un chat, on va vite le voir. Les coffres de déviation, c'est comme le matériel. Hein. Vous le fouillez une fois toutes les 3 heures.
Ça, oui, c'est le truc du sandwich. Donc, pas de chat ici. Quelqu'un l'a sans doute déjà attrapé. Hop, on va faire les 10 comme ça. Puis ensuite, on ira s'intéresser à Mr. Wish. Mais du coup, j'irai chercher... T'es quoi, toi? T'es un tigré? T'es un tigre. On va zapper les tigrés. J'ai assez de tigrés. Alors, j'avais commencé à faire ça à Green... Merde, comment ça s'appelle? Ah, cerveau plus marché. Blackfell. J'ai commencé à faire ça à Blackfell, mais il y a entre l'antenne et l'endroit où on voit le chat, il y a toujours 50 camions, alors qu'ici, bah, il n'y a pas de camion. Donc on voit très vite s'il y a un chat. Donc il y a un chat. J'arrive pas à voir la couleur. Noir et blanc, niveau 2. Bon bah... Allez. Youhou! Donc mon éternité de chat va vraiment être remplie de chats. La prochaine saison, ça va être... Et je suis très content d'avoir chopé ce papillon sans avoir eu à le farmer. Quelle couleur, toi? Noir et blanc. Je te recrute. Niveau 3. J'ai un chat niveau 4, mais il est gris. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, ça vous permet aussi de faire les objectifs de saison de capture des bestioles très rapidement. Et petit café. Ah, on a un autre client ici. Chat noir et blanc, je prends. Il est niveau 2, c'est pas grave, on prend quand même. Voilà, j'ai une infinie de domino maintenant. Domino était un petit chat noir et blanc à moi. Oui, je sais, c'est pas très original, mais le chat en lui-même était très original. Tigré, on zappe. On est sur le 7, hein, c'est ça, oui. Tigré, on zappe. Ici, zappons. Donc le 9. Et ensuite, on ira sur une autre... Ah, ici, il a été embarqué. Non. Monde 10. Il a été embarqué aussi. Bien, on va aller ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un autre coffre. On va aller à Deadsville. Deadsville, j'ai dit. Merci. Petit café. Pour dire exactement, cappuccino vanille. Il y a beaucoup plus de sucre et de vanille que de café, mais c'est bon quand même. Chaminé. Je chante ce que j'aime parce que j'aime que ce que je chante. Voilà. Je chante ce que j'aime parce que j'aime ce que je chante. J'aime ce que je chante parce que je chante ce que j'aime. Oh, je sais plus comment il le disait dans la chanson. Pam 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 pam. Donc bah on fait Deadsville et on ira se balader ensuite chez Mr. Wish parce que il dit une meilleure chance d'avoir des déviations améliorées. Il dit potentiellement peut-être que j'aurai Mr. Wish. On verra bien. Par contre, j'ai l'impression que ce papillon là n'attaque pas mais diminue la défense de l'ennemi. Faut voir à quel point il diminue. Que s'il diminue la défense de 100% et que tu fais des méga dégâts, oui, c'est intéressant. Par contre, s'il fait pas de dégâts du tout, compliqué. Bon, quand tu veux le jeu. Pam pararam, pam pararam, pam param, parapa parara papillon, pam parapa paparapa. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un. Le papillon de base, il est rouge, c'est du papier rouge plié.
Ce papillon shiny est un papillon fait à partir d'une toile de Van Gogh pliée. Je me demande si en le dépliant on trouverait un Tardis. Ouh. La moto qui a fait le même bruit qu'il fallait, quoi. Et on monte ici pour le shiny. En haut des escaliers, si je crois bien. Le chat. Chat! Et c'est un. Chat gris! Niveau 2, on zappe. La petite antenne. Bah non, plus un. Ratatala, le chat, il est pas là. Bam, 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 bam. On va quand même vérifier s'il est pas sur le toit, hein, en passant. Ces petites bestioles se baladent un peu beaucoup. Non, le chat ici a déjà été récupéré. Chat gris, merde. Niveau 1 en plus. On va aussi farmer le minerai. Parce que bah. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre la forêt. Bon, c'est pas grave, je me dirais, il faut que je repasse à la maison de toute façon. Chat extraordinaire, niveau 1, tigré. Dommage. Laisse-moi sortir. Optique Chamille. 3, 4. Les revenants. Tous les serveurs ont un nom. Hein. Tout le monde a un... Tous les mondes ont un nom. Et je comprends pas que ça n'a pas été plus. Alors, niveau 1. Mais il est noir et blanc. Papillon. Ah, j'ai pas trouvé le. Là. Petite unité de confinement, et dedans nous récupérons un retourneur d'espace. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais c'est pas grave. Et tu me donnes quoi ici? Rien. Vilain chaton. Non, l'antenne, c'est. On monte 5, donc 6. Hop, c'est parti. Donc il est là, premier niveau 1. Il est au gris, on le laisse. Oh, 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 oh. Donc 6, 7. L'oiseau noir. Il a descendu du ciel, de son bec, il a becqueté ma joue. Oh, t'es grisé? Oui, t'es tigré. Quel dommage. Nous partons de l'oiseau noir vers 8, le monde 8 monolithe. Oula. Oula, oh, oh le jeu, oh là, bisous. Bon. Visiblement, on n'a que des chats de niveau 1, hein, ici. Je vais pas voir s'il est tigré ou non. Noir et blanc. On embarque. Là. Voilà. 8, 9. Tigré, on s'en fout. Luminescence, le monde 10. Très joli nom, luminescence. Ah! PNJ qui a décidé de pop sur moi et de me bloquer la route.
T'as voir un super chat là-haut, niveau 2. Tigré, non. Noi 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 noi. Donc on va aller tenter d'aller choper Mr. Wish maintenant, même si Artemis n'est pas avec nous. On fait ce qu'on peut. Les déviants sont des organismes qui ont été contaminés et partiellement dégradés par le protoplasme. Est-ce que j'ai des choses à démonter, moi? Non, hein. Ah, j'ai un petit peu de merdier sur moi, quand même. Rien à démonter, mais les poches pleines. Ok. Tac. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le... C'est tout. Hop. H. Ça, c'est fait. Un peu. J'ai de quoi me faire une petite invasion de territoire sympathique. 19, 4 et 3. Donc ça ici, c'est pas la peine. Le tissu. C'est bon. Les cristaux. Ça bon. Et puis ici, le Starcom, j'ai quand même du protoplasme. Ah, oui. Et des circuits imprimés ici. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Ma culture est très jolie. Ma culture est très jolie. Je m'occuperai de ça plus tard, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Manger et boire. Ça peut être pas mal. Alors, du manger et du boire. Avant de partir, y voir. Ah, non, mais... Alors, je me souviens d'avoir gardé des fruits, des patates. J'ai pas pu prendre ce que je voulais. J'ai tout pris. J'ai tout pris les patates. Patates, on va en déposer. En prendre un peu. Voilà, en bouffe. On a du bois, on a de la bouffe. J'ai revendre tout ce qui est inutile et on va prendre, bien entendu, un petit régénérateur. Parce que je le vaux bien. Voilà. Petit dodo. Mais d'abord, changer le chat. Par lequel de mes chats est le meilleur? Le meilleur chat-chat. Alors. C'est le moment de regarder. Et surtout que j'ai des abeilles. J'ai une abeille aussi qu'il faudrait que je pose, mais c'est pas une urgence. Alors, toi, tu es 1-2, c'est pas intéressant. 3-2, optimiste, bonne fortune, très bien. 3-2, 3-3, comportement déroutant. J'ai beaucoup de chats qui ont eu ça. 2-2, 2-3, est-ce que c'est comportement déroutant? 3-4, on a un 3-4, on a un gagnant hein, là pour le moment. 2-3, 2-2. 2-2, 1-1, 2-2, je pense qu'on s'arrêtera. Ah, on a un 3-4. Eh ben allez, hop. Je serai très bien ici. Petit dodo maintenant. J'ai réussi à choper une carpe koi à la dernière session pêche. J'étais très content. J'ai un peu l'impression d'avoir mal posé l'aquarium, mais c'est pas grave. Hop, il faut que je boive à 5 coups. Donc on a la bouffe, on a potentiellement les poches vides. Hein, je vérifie, on est à 44 kilos, c'est très bien. Je crois que j'ai vu un truc qui me... Ah non, c'est les patates. J'ai cru que j'avais des cactus, mais ça va. Bien, Mr. Wish. Notre vieux pote Mr. Wish.
C'est parti. J'ai pas changé la... combat. Je suis trop impatient. Et je suppose que le temps de retour à la maison est trop long là. Ouais. Bon, tant pis, on va se faire Mr. Wish et puis c'est pas grave. On changera de bidule après, c'est pas grave. What? Ah, mais je me suis gouré de tour de téléportation. Eh ben, ça va pas aller très bon, très fort cet épisode aujourd'hui, je sens. Hein. Un peu la cata, le Fury aujourd'hui. Et hop, allez, la bonne tour. Et on va aller choper. On va tenter encore une fois Mr. Wish. Mr. Wish Loren. Allez, Mister Car. Voiture. Merci. Et j'ai pas pris non plus la foreuse. Je suis vraiment débile. Hein. J'ai pas pris la foreuse, j'ai pas pris le... Je vais juste tester. Donc normalement, maintenant, il pop directement dans votre inventaire, il pop à côté du caillou que vous minez. Pas dans le minerai, pas dans le minerai d'étain. Bon. On prendra la foreuse, on ira à Evergreen et on verra ça là-bas. On y va en normal, pas besoin de plus. On cherche pas à le faire du loot, on cherche juste à récupérer Mr. Wish. Ou peut-être même un Wish, Mr. Wish Shiny, mais je suis pas sûr qu'il existe. Mais bon, on sait jamais. Pas traîner, ça ne sert à rien. Oh l'outé. C'est lui qui lâche la carte, hein, pas besoin de buter les autres. Et Youssou ne perd pas de temps, surtout qu'ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à nous suivre. On peut vraiment foncer. Voilà. Allez, let's go.
Il est où celui qui me tire dessus? Quoi? Ah, il est là! Ah, les vilains! Il m'a fait gâcher une balle. J'ai embarqué un tapis. J'ai embarqué un tapis. Et je finis mon café. J'ai lequel sur moi? J'ai celui qui a 50 bassos. C'est pas l'idéal. Mieux avoir la batteuse ici. C'est la fête, Mr. Wishmodo. Oui, ça va aller vite, je sens. Ah, il y en a un qui est assez devant, là. Charge. Ah, il y a du monde au-dessus. Ah, mais même en facile, ils arrivent pas à mettre une dérouillée, hein. C'est fou. Ah oui, non, la canne à pêche, c'est pas le moment. C'est pas le moment, la canne à pêche. Alors. Déjà, pas d'anomalie qui flotte à côté. C'est dommage. Et pas d'anomalie tout court dedans. Tant pis. J'aurais tenté. On va sortir rapidement d'ici. Et on verra ce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui veulent faire des donjons. Il faudrait quand même que je teste mon, ma nouvelle anomalie. Wish, Mr. Wish ne veut pas venir avec moi.
traître. Bon. L'explosion, la bombe instable qui a fait tout le taf. Et le truc à savoir, c'est que Mister Wish peut aussi pop dans ce pack de récompenses, en fait. Ah, on va peut-être prendre les activateurs, parce que c'est quand même gratiné, ici. C'est pas vraiment un activateur. Et bon, 3 activateurs, c'est toujours 3 activateurs de plus. Zubidubidup, zubidubidup, zubidubidou. Tu sais, tu en acier, mais lol. Mais lol. Donc on va prendre la nouvelle déviation sur la 404. Direction Montélimar. Non, attends, c'est pas celle-là. Donc, prendre la déviation. La foreuse. La foreuse. La, 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 la. La foreuse. Vous êtes de retour sur votre territoire. Tuyau en fer. Donc là, on va vider les poches, prendre la foreuse. Et dans les 200, si je dis pas de conneries. Oui. Perceuse de poche. Whip, whip, whip. Hey. Hey. Ok. Ok. J'ai accès vraiment à toutes mes. À toutes mes caisses en ayant fait cette configuration. C'est pas mal. On va aller déposer les graines aussi parce que je n'en ai pas besoin pour la mission qui m'approche. H. 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 Prendre la déviation. Ah, mais ça y est, ils sont venus, mes tableaux. Mes jolis tableaux, ils sont là. Ma belle petite voiture que j'ai bloquée sur une rambarde comme un débile. Ah, la qualité d'image est pas folle. Et dans la chambre, ça a pris. Ça va. Pouille, 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 la déviation. J'ai mis où mon. Eh merde! C'est sympa cette porte, mais je préfère avoir un E pour dire l'utiliser que juste passer devant, quoi. Alors, où tu es? Ici. On retire le loulou. On va tenter le papillon de lumière. Là, j'ai pas grand-chose parce que l'endroit où je vais, bon, je vais pas risquer grand-chose. Mais quand même! J'ai une alternance de chat noir et de chat rayé, quoi. Il est où mon papillon? Je l'ai passé. Papillon de lumière. Sous les projecteurs. Papillon de lumière. Là. Alors déjà, son petit bonus, ça fait quoi? Déjà, il met la lumière verte. Louer sur la lune. L'apparence de l'anomalie a changé. Lorsqu'elle est synchronisée, vous obtenez 6% de dégâts de supplémentaires. C'est pour dégâts d'armes et dégâts de statue pendant la nuit. L'effet est réduit de moitié pendant la journée. Oh, sérieux.
Désigne une cible et attaquer à l'émissaire du papillon. Les cibles situées en face de vous seront privilégiées. C'est aucune cible ne sera. Ok, donc il attaque toujours. Mais il est meilleur de nuit que de jour. Ça, c'est un peu con, ça. C'est un peu con. Ah, j'ai un nouveau meuble. Décoration. Carte du monde. D'où est-ce que j'ai... D'où j'ai eu ça, moi? Ah oui, c'est le Battle Pass. Ah, faut que je trouve un endroit où le mettre, du coup. Bon, en attendant mieux, hein. C'est stylé. C'est très, très, très stylé. Et j'ai d'autres choses comme ça, dans le genre que j'avais zappé. Non, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Elle est magnifique. Alors, attends, parce que j'ai l'impression quand même que les cartes... Meyer Market. Wait, what? Je me demande si ce serait pas un genre de carte au trésor, l'air de rien. On verra plus tard. C'est pas urgent pour le moment. Bon, donc on a la foreuse, on a le papillon. On n'a pas le papillon. On n'a pas le papillon. On a le papillon. Non, tombé ! Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, on a la foreuse. On a la... papillon. Je voudrais juste équiper la foreuse et on va aller forer. La forêt. La, 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 la. Donc, j'ai construit ça. Je me rappelais même plus que je l'avais. Je me suis dit, bah, je vais le tenter. Alors, attendez que je retrouve Evergreen. Evergreen, 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 Green, Green. Bah, c'est à côté de chez moi, en plus. Je le cherche trop loin. Evergreen, c'est pas là. C'est là. Donc là, on va miner tout ce qu'on trouve. L'idéal, ce serait de trouver une ou deux jeunesses élémentaires shiny. Alors, j'avoue quand même que le papillon qui est moins actif le jour, c'est... Ah bah tiens, il y a le bus qui passe. Est-ce que ça marche, mon explosion de bidule? Ah oui, ça marche. Je suis parti. Ah, messieurs, dames. Hasta luego. Sayonara. Ciao. Au revoir, Zen. Kenavo. Kumbaya. Je sais même plus où je voulais aller. J'ai l'air con. Là. Eh ben, je suis sur la bonne route en plus. Et je repasse littéralement devant chez moi en fait. Petite perte de temps inutile. Faudra aussi qu'on fasse un saut près du... de Meyer Market, là où il y a l'arbre, à Lapinou, parce qu'apparemment le Lapinou sort aussi en shiny facilement. A mon avis, ça, une fois qu'ils auront... Hop, c'était pigeon. C'est pareil, si vous trouvez des champignons, n'hésitez pas à les ramasser en ce moment. Le gros shroom, qui a la version évoluée du mushroom, est quand même aussi ultra vénère. Bon. On va viser le proto-trace quand même. Hein. C'est le moment où tu me dis que le truc, il pourrit le cul. Voilà, merci.
Alors, est-ce que nous voyons déjà du Proutotrace dans le coin? Oui! Un peu de Proutotrace. Après, tu traces ta race. D'accord. Oh! Ah bah dis donc! Ah bah alors! Ah bah fais les difficiles! Elle les ramasse pas! Cette frise était vraiment furieuse. Ouais, mon PC a du mal, hein. PC a du mal. Bon bah, let's go. Au pire, je jetterai les gravats, c'est pas un drame. Au pire, je jetterai les temps aussi, c'est pas un drame. De toute façon, à ce tour-ci, il n'y a que le tungstène et les jeunesses élémentaires qui m'intéressent. Mais il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir frustré les esprits des jeunesses élémentaires dans le coin, donc c'est pas gagné. Il me semble que c'est en formant sur tous les teints, donc... Mais au moins, j'aurai du tungstène. C'est con qu'on puisse pas ramasser les déviations abandonnées par d'autres joueurs. Descrusia. Quel nom triste. Le mystère de Nessie est résolu. Alors faut y aller avec la pioche pour qu'il sorte plus facilement, je sais pas. J'aime pas beaucoup voir les ennemis saccadés comme ça. Enfin, je préfère. C'est moche parce qu'ils chassent un lapin, mais... Bon, je pense qu'il faut que j'aille à la pioche normale. Hein. On va faire moins de bruit. Frustration. Bon, ils sont normaux, mais... frustrant, quoi. Ici. Là, il y a mon RGB qui s'allume. Parlette.
Mon idée, c'était vraiment de vous montrer que ça popait vite. Comment dire que mon plan ne s'est pas déroulé comme j'espère. Est-ce qu'ils ont déjà mis un correctif sans faire sans télécharger le patch? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Mais termine! J'ai une petite latence. J'ai une petite latence dans le jeu. Là, ça marque c'est fini, mais elle continue de miner. Pas très bon signe, ça. Ah, là, c'est bon. Petite plante contaminée. Merci. Cuit. Ah, je vois du proto-trace là-bas. Le prototrace Taras, j'aime bien. La fille qu'il n'y en a pas ailleurs. Des fois ça pousse jusque là-bas. Le repos éternel est offert par Chuck Fury. Oups. Bon bah je pense que je vais aller faire des donjons vu qu'apparemment ça s'est réglé. Ça pop plus, ni dans l'étain, ni dans le cuivre. Alors j'ai vraiment pas de chance. On va essayer le long là. Là où il y a de la lumière, il fait beau. Il y a des bicarites. Peut-être que ça inspirera plus à se montrer. C'est pas grave. C'est pas grave, petit, c'est pas grave.
Il y a un boss qui a l'air tout joyeux là. Voilà, j'avais envie d'un peu d'action. Ça, c'est fait. Allez, la 8. Bon, on refait un petit tour de l'autre côté, et puis si ça veut pas, ça veut pas, hein, c'est tout. Ça veut pas, 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 ça veut pas. Oh, tout ce tungstène. Non, j'ai vraiment pas le droit à une même pas une déviation de base. Même pas une petite déviation de la cloison NASA. Une déviation de route circulation prioritaire. Non. Ah, les déviations qui flottaient ont disparu. Oh, j'ai vu un H37 là-bas. Bon, côté positif, j'ai eu la déviation que je voulais d'entrée de jeu. Côté négatif, déviation que j'espérais, je ne la vois pas. Côté positif, j'ai eu du prototrace. Côté négatif, je n'ai eu en fait ici que du prototrace. Eh ben oui, forcément, au bout d'un blé contaminé. Oui, le voici, oui, c'est bien lui, Ali Baba. Prosternez-vous, soyez ravis. Non, j'ai vraiment pas le droit. Non, vraiment. Visiblement, j'ai pas le droit. Par contre, il commence à faire sombre chez moi. Je sais pas si vous me voyez encore. Non, ça va. On va devoir penser à allumer la lumière bientôt, mais ça va. Pour le moment, ça va. Imhotep, ça va. Ça va, Imhotep. Imhotep, 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 ça va. Ok, ça c'était curieux.
2000 de gravier, quoi. J'ai vu un truc saute... Ah d'accord, c'est les loups qui jouent à saute-mouton. Bon, attends qu'on voit pas des moutons jouer à saute-loup. Ah, ça y est, ah, si, c'est pour ça. Bon, visiblement, j'ai pas le droit à l'amélioration. Je n'ai pas le droit à l'anomalie. Et de la lumière dans le noir. Et j'ai pas amené ma bouteille d'eau, si. Bon, j'ai pris, je me suis pris une bouteille d'eau, je l'ai pas amenée. Ah, et là-bas, le dinosaure fait toujours crampette. Ah, Prototrace là-haut. Eh bien, Prototrace Taras. Putain, il m'a fait peur ce con de lapin. Il était costaud ce gisement. Un peu plus de protoplasme. Et là, on va virer tout à gravat. Ah là, tout de suite, on perd du poids. Oh, si je pouvais perdre du poids autant aussi facilement en RL. Of course, ça serait content. Ça serait charmant. Je m'envolerais dans le vent. Un peu inquiet quand je les entends grogner, j'ai toujours l'impression qu'ils vont me sauter sur le cul. Mais non, ils restent bien de l'autre côté de la route. Bon, bah on restera sur les minerais qu'on croisera dans le futur, mais pour le moment, je pense qu'on va rentrer à la maison. Petit contrôle de Prototrace de l'autre côté de la route, hein, tant qu'à faire. Non, même pas. Même pas. Il y a juste ma voiture qui ressemble à du Prototrace. Allez, pour le fun. Alors, je suis en train de me dire que j'ai plus beaucoup d'acide. Donc à un moment ou un autre, de toute façon, il faudra que... je fasse des choses. Mouep. Mouais.
Bon. Écoutez, on va rentrer à la zone. On va déjà travailler tout ça. Ah, mais c'est long. Bon, je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Je reviens tout de suite. Enfin, j'ai mis où? Ah bah si, elle est à côté de moi. Ah, quel teubé. Poum 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 poum. Poum 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 poum. Allez, on est... Non, j'ai pas appuyé sur ce bouton. On est reparti. Là. Allez. Je sais pas ce qu'il a là, le PC aujourd'hui. Il a décidé de... J'ai des trucs à démonter, c'est vrai. Oh, hey, tu vas me casser les nouilles à chaque fois? Bon, on va redémarrer le jeu. On va redémarrer le jeu parce que ça devient casse-nouille, là. Allez! Il va mettre un écran de chargement à chaque fois que je vais avoir une interaction? Ok, donc le jeu est très très mal lancé. La dernière mise à jour est très 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 mal foutue, je sais pas. Dans le doute, on va dire que c'est juste chez moi que ça déconne un peu. Et que redémarra réglera le problème. Le temps entre le moment où je dis échappe et le moment où l'écran d'échappe apparaît. C'est juste what the fuck, quoi. C'est juste what the fuck. Bon, allez, on relance. Aïe, aïe, aïe. Quand la technologie veut pas, la technologie ne veut pas. C'est tout. J'entendais des bruits de clochettes. Bon bah désolé, on se fait le générique à nouveau. Bon, vu que... Vous savez que c'est très intéressant ce que vous venez de faire, hein, c'est très intéressant, mais très flippant aussi. Bon, est-ce que le problème de caisse... Attends, je vois celle-là. D'accord, c'est bon, c'est instantané. Donc c'était bien un petit bug de ma version lancée, ok. Bon. Putain, on fait flipper ces cons. Donc normalement, je n'ai plus rien dans mon inventaire qui nécessite d'être vidé, sauf les graines de blé contaminées. Hop, allez, dangière. Voilà. J'ai de la bouffe, j'ai de la soif, ça va. J'ai de la bière, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? J'aurais voulu chasser les champignons, mais dans le coin là, des champignons, il n'y en a pas des masses. Par contre, des champignons, il y en a devant Meyer Market. Il y en a pas mal. On va tenter le gros shroom.
Non, pas meilleure marquette. Si, c'est ça. C'est ça dédie, ça. La Tal Grass Inn, qu'il y a beaucoup de champignons devant. On va tenter le gros shroom. Oui, merci. Je sais qu'il y en a dans la montée, mais c'est pas celui qui m'intéresse. Donc on va aller voir dehors, devant. Parce que dans la zone là-bas, il y en a quand même pas mal. Oui, non, c'est bon, je les ai fait ceux-là. Oui, bonjour, jeune homme. Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est fait. Et bien sûr, dès qu'il y aura des propositions d'instances, de silos et des trucs comme ça, bon, on va y aller parce que... Bah parce que, quoi, hein? Rien de foufou ici. Est-ce que je m'emmerde à ramasser les patates? Oui. Pas tout, ça fait toujours de la bouffe. Par contre, j'ai un peu peur qu'il soit posé au niveau des champignons, lui. Ah, j'ai l'impression qu'il a posé sa maison juste au niveau des champignons. Ça, je pense, c'est toujours utile. Non, mais arrête les prises, s'il te plaît, le jeu. Aïe 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 aïe. Ah, plus de champignons dans le coin, il s'est placé juste où il fallait pour qu'il n'y ait plus les champignons. Bon, je sais qu'il y en a de l'autre côté, on va aller fouiller de l'autre côté, c'est pas un drame. Plein en suivant le grillage par là-bas. La rampe là. Si on peut les voir avec le... Non. Bon, bah déjà, le gros shroom, ça a l'air compliqué. Ah, il y en a vraiment pas mal ici, hein. Champignon géant. Ah, c'est cool. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Merci, les gars. Mais c'était pas celui-là que je voulais. C'était son petit frère. C'est dommage. C'est bien, mais c'est pas vraiment lui que je voulais. Ah non, c'est pas ça non plus que je voulais. Bien un mushroom hein, que j'ai eu, c'est pas un gros shroom. Champignon géant. Champignon géant. Quand il est niveau 3-3 celui-ci. On y gagne un petit peu quand même.
Mais c'est pas ce que je veux. On va le faire, ouais, c'est bien. Maman, elle a dit je peux. Là, en voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu mets deux champignons sur ton territoire? Ils s'entretuent pour pouvoir planter leurs graines? Ça fait très masculin. Après les hommes des cavernes d'ailleurs. Eh ben, je pense qu'ils ont déjà corrigé le tir. Même si j'ai pas vu de mise à jour depuis. Parce que le monsieur qui a montré une vidéo aujourd'hui, ce matin, qui disait « Ouais, ils ont fait un truc dans le patch, machin. Allez-y tout de suite. » Eh ben, j'y suis allé ce matin, bah c'était cool. J'ai eu plusieurs chatons noirs et blancs. Mais maintenant que je suis de retour en ligne cet après-midi, je ne vois plus vraiment le... La même facilité de pop des choses. Je ne vois même plus de champignons. Petit champignon, où es-tu? Petit champignon. Non, toujours pas, toujours pas. Vous avez vu, hein, maintenant, le champi ne tombe plus directement dans votre inventaire, mais apparaît en bulle à côté. Non, pas le cyprès. Touche pas au cyprès. Curieusement, c'est très fatigant pour les yeux. Non. Non, bah décidément, j'ai pas la chance que je pensais avoir. De pouvoir profiter de la facilitation des champignons. Eh ben non. Un dernier petit tour, des fois que. Et je pense qu'on va aller les joindre en tréant. Ouais, on va aller faire ça plutôt. Sinon, cet après-midi va être très chiant. On pourra toujours regarder après en se baladant. Enfin bon, le clic a pas été... Un peu sur le genre, l'équipe est au complet. Ok, d'accord. J'avais pas vu le message. Ils veulent pas de moi. Mais bon, c'est qu'il manque ce qu'ils appellent un message codé pour avoir le truc qui m'intéresse. Est-ce que je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est. Au moins, je vais encore avoir de quoi faire du bon engrais. Je sais pas pourquoi.
pourquoi je lance le révélio, il ne révèle pas les champignons. Ah. Vraiment, ça pop pas. Ça ne pop pas autant que j'aurais aimé. Tant pis. Tant pis. Il n'y a pas un loup dans le coin que je teste mon... S'en bat les steaks. Quand même. Donc, elle n'attaque pas. Ça, maintenant, on est sûr. C'est quoi cette forêt jaune? Ok. C'est gênant. C'est plutôt gênant. On va aller chercher la grenouille. Aller chercher la grenouille, ça sera pas... Ok, donc il me dit que la grenouille, elle est ici. Ok, alors déjà, on va juste retester le papillon. Ah si, quand même, si, il attaque. Ok. Ok, d'accord. Il attaque. Donc, jusque-là, tout va bien. Bon, ben, on va rentrer à la maison, ramener tous ces champignons. Ensuite, aller chercher la grenouille. Qui est pas super lente chez moi en fait. Est-ce que j'ai activé une tour TP là-bas? Non. Si, celle-là. Pam, 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 pam.
Eh ben ça va vite les silos, putain. Alors c'est ici pour faire les engrais. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, allez chercher la grenouille. Ça va pas me demander beaucoup d'efforts. La tour la plus proche de TP. Ça, ça nous amène là. Et celle-là, elle nous fait faire tout un trajet tordu. On va aller ici. Ce que j'y pense à cette, ce silo avec le trou dans le plafond que j'ai pas pu monter parce qu'il fallait faire un double saut. Je l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai jamais. Oui! Toujours à fouiller ces caisses-là, il y a parfois des choses très sympas. On va pas là. Ah oui, je voulais aller à Mer's Market aussi pour le lapin. On ira après. Quand on a obtenu la grenouille, on ira chercher la lapinou. C'est pas un épisode avec beaucoup d'ambiance d'action aujourd'hui. Je suis désolé, je pensais vraiment choper plus de shiny. Je suis un peu dépité, j'avoue. Bon, par contre, ici, des camions, il y en a un sac. Je me demande si ça marche pas le... On va essayer avec cet arbre-là, là-haut. J'ai vraiment pas eu de chance. Alors, on va tester cet arbre-là. Pour choper le lapinou shiny. J'aurais peut-être pas laissé la voiture aussi près. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Draka-N. Nous avons un lapinou tout court. Yay! Ça c'est bon pour les mimétiques. Je ne sais plus ce que je voulais à 10, mais il y avait un truc que je voulais à 10, donc on va voir ça tout de suite. C'est pas la tronçonneuse avancée, pourtant ça serait pas dégueulasse. Ça faudrait presque limite que je les annule, puisque là où je suis, ça ne sert à rien. C'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais activer? Ça! Voilà! Ça va pouvoir faire plus de bouffe. Bon, par contre, je vais pas me casser les noisettes à me trimballer du 3 tonnes de bois. Hein. Y a pas de bois? Je viens de couper un arbre géant, j'ai pas eu de bois. Bon, j'ai eu un lapinou, mais j'ai pas eu de bois. Attendez, j'ai de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Ah, ici, quand même. Je me disais bien. Je me disais bien. Oh, un joli petit renard. Oh, il est tout choupi. Va bouffer des poules. Comment me faire détester par toutes les personnes qui sont fait bouffer des poules par des renards? Avant que je t'ai dit de mettre l'autre. Si. Retente, hein, on sait jamais. Peut-être que la zone. Bah tiens, il a repop là. Allez, donne-moi un petit lapinou magique. Ah.
Lapinou normal. Ça va pas être pratique, cette histoire. Bah, il repop vite, ce con d'arbre. Là, c'est juste un lapinou normal. Level 4, quand même. Ah! Petit lapinou, fugueur, reviens ici. Merci. Celui qui en manque de bois, qui passe juste derrière moi, il va être content, quoi. Il me semble que le Sinman ne tombe... Allez. Il me semble que le Sinman ne tombe vraiment que sur les... Bon. On se fait une dernière fois le narbre, et puis on repart. À l'aventure, compagnon. Pas de lapinou du tout, ce coup-ci. Bon. Visiblement, c'est pas pour moi le... Ça repop plus facilement. Jusqu'à maintenant, le seul truc que j'ai chopé, c'était le papillon. À un endroit où je m'attendais pas à le choper. Un peu le comble dans l'histoire, quand on réfléchit. Aux luttes. Il n'y a qu'on a vraiment que ça à foutre. Forcément. Ouh, le strike. Oh, le strike que j'ai fait, il était beau. Il était beau. Il était cabot. Ça m'a l'air d'être un endroit qu'on doit escalader, ça. Pas d'importance pour le moment. C'est pas ce qu'on veut. J'en fais grave parce qu'il peut y avoir du proutotrace. Proutotrace, moi j'aime bien. Il n'y a pas l'air d'en avoir des masses, hein. Problème, toi. On t'a cet éteint. Je pensais plus avec l'autre. Ok.
Allez, on va lui faire un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, t'es... D'accord, oui, d'accord, c'est pas une construction d'un habitant, c'est une construction anti-invasion, d'accord. Ok, d'accord, oui, bon. D'accord. Une pompe à fuel ici, il y a de l'eau pas loin. Oh, j'ai peut-être trouvé l'endroit où je vais me déménager, tiens. Nous avons une pompe à essence ici, nous avons de l'eau à côté. Enfin, il y a un event régulier en face, je vais me faire démolir ma base, bon. Quoique. Quoique. Il y a une zone noire au sol ou pas? Parce que s'il n'y a pas la zone noire, je crois pas que ça marche. Pas la zone noire. Par contre, il y a de l'or là-bas. Ah, c'est dommage. Ça aurait été presque intéressant s'il y avait eu la zone noire au sol. Il devrait y avoir d'ailleurs, parce qu'on a quand même une station de pompage juste à côté. Mais visiblement... Non. C'est une station de pompage qui est propre. Tant pis. Plus qu'à trouver. La nanopar. Ils sont là. Oh bah elle est même carrément déjà dehors. Voilà. Eh ben écoutez, c'était rentable. Maintenant, on va pouvoir faire les potions pour sauter. Est-ce que je fais un saut sur Mer Market pour tenter de choper la sorte de l'or? Je réfléchis à ce que je peux faire. J'aimerais bien tenter, ouais, l'arbre qui est au nord de Mer Market. On va déjà mettre la grenouille dans une caisson de déviation. Et on va comparer les bunnies que j'ai aux bunnies que j'ai dans la poche. Parce que tant qu'à avoir des bunnies, autant qu'ils aient un max de power. Max powers! Alors. Où est-ce que je vais mettre déjà cette petite babite? Bon, on va déjà... Alors, des chloro-armures, j'en ai un paquet déjà. Pour le moment, on va mettre notre petit lapinou ici. Non, pas lapinou. Pas lapinou, grenouille sauteuse. Bien sûr, il m'a mis tout en bas.
Aïe. Et t'es quel niveau, toi? 4-1. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, ça, c'est parti. Est-ce que je peux toujours utiliser les chloro-armures, même si j'ai pas eu le machin dans... Oui, ça marche toujours. Magnifique. Je viens d'en gâcher une, mais c'est pas grave, fallait que je sache. Les lapinous. 3, 4. Il est très bon. 2, 3. Il est moins bon. Ça me gratte le pif. 4, 5. Est-ce que je peux pas regarder ça directement dans... 3, 5. Donc le 4, 5 est mieux. Non, mais je veux juste des sens, s'il te plaît. 2, 3. Ok. Bon, on vient de remplacer un lapinou qui était bon par un lapinou qui est meilleur. Ramasser la déviation que je viens juste de jeter au sol comme un caca. Ce qui n'était pas du tout l'intention. Est-ce que j'ai des choses à virer de mon sac à dos? Oui, quand même, oui. J'avoue que le camion serait pas si lent non plus. J'aurais monté le camion et j'aurais fait un système de caisse comme j'ai ici, mais pour me trimballer, mais... Dès que tu croises le magicobus, c'est fini, donc... Ça, c'est normal qu'il n'y en a pas. Voilà, je vais garder l'heure sur moi pour voir combien je pourrais vendre le minerai tout seul. J'ai quand même de quoi faire un peu de tungstène, donc on va faire ça tout de suite. Magnifique. Donc en dehors des graines, j'ai plus grand chose sur moi. En boisson, on boit ça. Ah oui, il faut quand même que je mette des trucs dans les frigos là. Il faut quand même que je me vide les poches là. Ouais. Quoique, ça, on peut les utiliser tout de suite. Voilà. Donc j'ai descendu le truc en dessous, hein. C'est plus simple pour les cultures, on va dire. J'ai encore 59 acides qui sont produits, c'est merveilleux. Et une fois que j'aurai récolté ça, j'en aurai encore plus qui seront en production. C'est vraiment joli. J'aime bien la couleur qu'ils ont. Alors, donc maintenant, j'ai quoi encore sur moi? J'ai toujours les graines. J'ai toujours les graines. Ah. Faudrait que je fasse une caisse en bas aussi pour les graines. C'est quoi les 32? 32 graines de champignons. Ah. Qui veut des champis? Qui veut des champis? Qui veut des champis? Mais qui veut des champis? Qui veut des champis? Qui veut des champis? Qui veut des champis? Gnon, gnon. Bon. On est pas mal. On va y aller comme ça. De toute façon, il n'y a pas de danger là où je me rends. C'est meilleur, ce market. Meilleur, ce market, c'est ici. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. On va essayer d'aller voir l'arbre qui est au-dessus de Meyer Market. Là, chaque fois que j'étais le voir, il m'a donné plusieurs lapinous. Donc, il y a bien un endroit où je pourrais éventuellement choper un lapinou shiny. C'est là. Et visiblement... Là, c'est cet arbre-là.
Il y a de la pêche en ce moment. Je ne referai pas les concours de pêche tant qu'on ne pourra pas ramener les poissons qu'on a pêchés. Bloop. Ma voiture ne flotte pas. Je l'ai tué ? Mais je l'ai tué ? D'accord. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Lapinou, je t'invoque. Lapinou, montre-toi cet équivoque. Lapinou, de moi, tu te moques. Bon, on va fermer un petit peu de l'étain à côté. Oh, petit blé déviant, tu es à moi. Je suis dégoûté. J'ai tué le bus. Je savais même pas que c'était possible. J'ai déjà fait celle-ci ou pas? D'accord. J'ai... Je me sens un peu baisé. Ok, c'était même pas ce que je pensais. Bon, ils sont tous tournés vers lui, non? Et enfin... Ah oui, non, il y en a un qui est pas dans le bon sens. D'accord, t'as que ce sens-là, toi, en fait. Ouais, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu repeuples un arbre? Ok. Mais que je trouve, c'est pas ça. Est-ce que l'arbre repop entre temps? Non, l'arbre ADCD donne plus repop. Je l'ai vexé, j'ai tué son bus.
Bon. Bah écoutez, de souvenir, c'est sur les Thin Man. Enfin, c'est sur les... Il s'appelle Thin Man en VO et c'est sur les étains. Donc on va tenter. Quand même. J'ai failli attendre, monsieur l'arbre géant. Lapin, lapin, vous préviens, me serrez la main. Il n'est pas décidé, hein? Il n'est pas décidé. Laisser du bois pour ceux qui en auraient besoin. Voilà. Ah. Moi, j'ai vraiment buté le bus, quoi. Azarin, I don't speak ta langue russe de mort. Décidément, j'ai pas de chance sur les shiny. Hein. Enfin, j'ai eu le papillon d'entrée de jeu, mais alors le reste. Alors, je suis en train de me dire que Meyer's Market, j'ai pas été regardé après le. Quelle force! Bah, pas de lapineau. Ou alors il est apparu de l'autre côté. Non, pas de lapineau. Bah, je suis déçu, voilà. Les gens se goinfrent de shiny. Moi, je me goinfre pas du tout. C'est dégueulasse. Tout ça juste parce que j'ai tué un bus aujourd'hui. Je suis un peu un bus de moi-même. On va aller chercher le coffre anomalie. On reviendra ici après. Je sais plus s'ils ont des champignons. Hein. Wouhou! Hihi! J'ai réussi à traverser la rivière. Deux fois! Oui, mais c'était deux fois la même rivière. Trois fois! Ramirez! Alors, le bloc à anomalie. Il doit être à l'intérieur, j'imagine. Déjà, on va aller vendre l'or de maison du café. Est-ce que tu as des choses intéressantes? Non, pas tant que ça. Et visiblement, elle n'achète pas l'or sous sa forme basique. Fais chier. Chier, 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 chier. Bon, l'anomalie. Où est-ce que vous avez mis le coffre à anomalie ici? Quoique normalement, il y a aussi des chats. Il y a aussi des chats ici, normalement. Côté de l'eau, peut-être. Ah, le chat ici.
Chagri, donc on va le laisser. Et une unité de confinement. Il y a quoi dedans? Je joue solo! Bande de cul! Pardon. Pam 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 pam. Je vais quand même faire le tour parce que je sais plus s'ils ont des champignons ou pas. Ce serait bien de choper un glow shroom ici. Un gros shroom. Un gros shroom. J'ai pas souvenir qu'ils aient beaucoup beaucoup de champignons dans le coin. J'ai vraiment du mal à me retenir de. On va aller voir si le castor est un shiny, tiens. Non, il est normal. Tristement, déceptivement normal. Pas de champignons ici. Par contre, il y a beaucoup de minerais. Ah, mais j'ai pas envie de passer ma journée à faire ça non plus. Bon, par contre, c'est vrai que quand tu veux farmer, cette zone est quand même vachement pratique. Alors, on va tenter l'étain avec la foreuse. On va bien si ça fait pop ou pas. Que je trouve être un peu du gâchis, mais bon. Bam 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 bam. C'est sûr, tu veux même pas me donner une jeunesse éternelle normale, non mais juste histoire que. Voilà quoi le. Non ? Allez le jeu ! T'étais super cool d'entrée, mais là, t'es un peu salaud là. Non. On va retourner à l'arbre. Oui, enfuis-toi, petite biche. Faudrait que j'aille revendre ma hache aussi, elle commence à être en fin de vie aussi. Pas une formidable utilité de la péter. Ça fait des sous en moins. Merde, il est où la brogeant déjà? Vraiment pas à côté. Ah bah non, j'étais à côté. Pam 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 pam. Bon bah visiblement ils ont modifié le truc. J'ai pas pu en profiter, il y en a plein qui sont goinfrés de plein de shiny. Et moi j'ai dans le baba. Shiny baba. Oui c'est lui, le voici. Shiny baba. Allez petit lapin. Je t'invoque. Je pose une carte piège, face cachée, et j'invoque le lapin blanc aux yeux bleus. J'invoque rien du tout, pas où venir.
sais pas combien de temps restent les petits sachets abandonnés. Mais s'il y en a un qui passe dans le coin, il va se régaler. Bon, bah écoutez, on va faire un petit donjon, hein, l'air de rien, parce que là, ça commence un peu à me casser les noisettes. Voilà, voilà, je m'attendais à un truc plus sympa. J'ai chopé plus de bestioles. Bon, on a la grenouille. On a déjà la grenouille, c'est déjà ça. La grenouille et le papillon. Le papillon qui marche mieux de nuit. Quelle blague! Il dit qu'il y a un autre événement en cours. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est ça, d'accord. Oh, c'est ça. Chier, les gars. Ah oui, non, mais si c'est pour voir ce trou dans le dos, non. Oh la vache, c'est dommage. Elle est terriblement canon, quoi. Donc le truc là, oui, forcément. Une cheminée, ça aurait été sympa, mais c'est pas indispensable. Des marques cheloues, mais c'est pas indispensable. Ok. Jardinier. Oh, c'est stylé! Et des baskets qui sont pas dégueulasses aussi. Ouais, ça par contre. Ça, par contre, c'est débile. Ouais. J'espère qu'ils les mettront plus tard en vente de manière normale. Genre comme ça, là. Parce que je trouve que c'est dommage que ce soit restreint comme ça. Bon, on sait une dernière fois qu'il n'a pas repop. Oh, petit con. Cet arbre est un petit con. Ça fait 2 heures de vidéo. Il va être 18h30. Non, il est 18h30. Est-ce que je me refais un Mr. Wish? Je suis moyennement tenté. Attendre que cet arbre repop et puis on verra à ce moment-là. Piste. Candidature refusée. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Bon, le nanarbre, tu réapparais que je te découpate une dernière fois avant de partir d'ici pour le dernier temps de le mêler blablabla.
PC fatigue un peu, j'ai l'impression. Allez, dernière tentative de choper un Lapinou Shiny. Et après, on ira vendre la hache pour pas me faire pas se faire voir. Tant pis. On va aller vendre cette hache qui est complètement pétée. On va y aller de manière métal. Métal. Super métal. Ah là, c'est trop métal. Bonjour petit chat. Oh c'est dommage, tu n'es pas intéressant pour moi. D'ailleurs c'est bizarre que tu sois dehors au lieu d'être dedans, mais bon, c'est un détail. On vend de la hache et puis on se casse. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bon. Oui, il lui reste 30 de fiabilité, de durabilité, et pourtant 800 trucs quand même. Hein. 800. C'est pas dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Je sais pas, je m'en fous. On va y aller comme ça, la chute dedans. Pour Peta. Et ils sont où? Ils sont où pour Peta? Ils sont où? Ils sont où? Ah, d'accord. J'ai pas mangé un truc qui me faisait régénérer des points de vie tout doucement. Ah ouais, c'est peut-être déjà fini là. Der Vergenes Reise. Der Vergenes Reise. Le géant de l'oubli. Bon, ben, en attendant qu'il se décide, je vais rentrer chez moi. Et je vais cultiver mon acide. Voilà. Il est déjà presque 19h. Bon, moi, je suis désolé. Je pensais vrament qu'on arriverait à récupérer plus de shiny que ça. On a récupéré du lapinou. On a récupéré un papillon shiny. Je pensais en récupérer deux, trois lapinou shiny. Je pensais avoir au moins un ou deux gros shrooms. Ça n'a pas voulu. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on fera 100. Allez, 1 mars.
met dans la récolte de la machine. C'est parti. Si le confinement EX normal, ça va. Voilà. Je ne sais plus c'est lequel. Il me semble que c'est potentiellement celui avec Mr. Wish, mais j'ai un doute, donc on va voir ça rapidement. Donc pour demain, j'aurai le truc de saut, et je pense qu'on fera des silos en chaîne. Histoire de déverrouiller le battle pass un peu plus vite. Donc les silos et les donjons, je vais pas me casser la tête, on va vraiment faire ça en chaîne. Donc c'est pas celui que je pensais, d'accord. Alors si c'est celui que je pense, on va gentiment s'équiper du glaçon. On va tout de suite prendre une petite binouse parce que je ne suis pas immunisé et je n'aime pas ça. Rien du tout. Si, c'est là. Allez, c'est parti. Tu as oublié de mettre des habits, Poupetta. Pourpetta. Patapour. J'ai remarqué, ils sont level 36, ces ennemis. Ah, et par contre, ici, il y a full. Ah non, ils sont niveau 50. Allez, allez. Ah, les bâtards. Le vortex de glace, il est violent contre eux. Il leur fait des dégâts, mais c'est où? Oh la vache! Oh, bah alors toi, t'as raté l'appel? T'étais à la bourre? Rien à loot, rien à loot, rien à loot, mal au loot. Ah, joli. Moi, oh, j'avais jamais vu celle-ci.
Ah, j'ai encore un truc à ramasser là-bas. Panneur. C'est ici que je vais pas pouvoir passer, c'est chier. Que je n'ai pas le fameux double saut ici. Bon. Je sais pas pourquoi les monstres me snobent. Je vais pas m'en plaindre. C'est ici que je vais pas pouvoir venir. Toujours pas de potion qui fait sauter. Bon, rien. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Only with double jump over there. Bah, laisse-moi passer le jeu! There. J'ai ouvert le sac et puis on va se casser, hein? How about here? If you can double jump, here. S'entend pas, c'est pas grave. Les dégâts que le froid leur font, c'est dingue. Ça te jette un froid, n'est-ce pas? Ce pauvre boss n'a rien fait pour mériter ça. Ah, c'est une phase.
Je me suis fait cimenter la gueule. Ah d'accord, on recommence depuis... Ah, c'est pas bon signe ça. Mais merde! Non, j'ai pas réussi. Regardez-moi ça! Immunité aussi, ok, d'accord. Il fait des gros trous. Oh bah d'accord. J'ai plus de... Oh merde. Pourquoi je suis figé? Bon, le jeu a décidé que... Voilà. Ne pas utiliser de flèches contre lui, vous ne pourrez pas les récupérer. Par contre, j'avoue, les dommages de glace,
dont les ennemis ont été juste insane, quoi. Les machins hip-hop, ils étaient quasiment morts. Ok, alors on a fait le plein d'acide, là. C'est cool aussi, ça. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que je récupère ? LOL ! Une... Ah, une déviation, une porte suspecte. Super, j'en avais que déjà une. Hop là. Ah, finisseur. Coup de grâce porté avant la nettoyer. Ok. Ok, ok, ok. Puis là, elle avait une course qui était cool, Lily. Donc, je suis content. Je suis content. Bon, bah, on n'a pas eu tant de Chinese que ça, hein, je suis désolé. Je suis désolé, je pensais vraiment que ça allait plus tomber que ça, avec ce qui avait été dit ce matin, mais visiblement, le Shiny que j'ai est déjà... C'est efficace. Donc, ah oui, oui, j'ai chopé ça aussi en poisson. C'est un... déjà, on va quitter le groupe. C'est une carte arc-en-ciel turquoise. Truite arc-en-ciel. Porcelaine bleue. Voilà. Et j'ai mis avec une truite arc-en-ciel normale pour qu'on fasse la différence. C'est grosso merdo, c'est juste une recolorisation, mais... ça me va. Attends, j'avais des ressorts sur moi, du coup, de l'avoir... Non, ça, c'est juste pour faire les appâts. J'avais oublié que la grenouille faisait des appâts automatiques. Ah, c'est bon à savoir. Bon. Pouille, pouille, pouille. Allons pêcher. Paradis perdu, épreuve, événement de groupe de poissons. Téléportation. Téléporte à poisson. Donc, demain, on se retrouvera. Pour faire. Je vérifie que le castor qui est ici n'est pas un castor shiny. Niveau 3. Oh. C'est pas shiny, mais c'est bien. On se retrouve demain pour faire du silo et du donjon pour faire progresser le battle pass. D'ailleurs, est-ce que le battle pass a progressé pour le coup? Tout récupérer. Oui. Il m'a donné une veste. Alors, donnons, regardons à quoi ressemble cette petite veste. Ah, c'est la veste pixel. Bon, on va l'équiper, histoire de l'avoir. J'avais pas un truc plus blanc qui irait avec? Putain, c'est stylé. Allez. Si on pose des questions, on dirait que ça va ensemble. C'est pas si mal en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va choper comme poisson? Déjà, on va s'équiper de la canne à pêche. Parce qu'elle pourrait être pas déconnant. Voilà. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne Twitch. C'était Choc Furé sur One Semaine. Je vous dis à tout bientôt. Ciao les potos, regardez les autres vidéos pendant que je vais pêcher un peu. Essayer les appâts de la grenouille. C'est quand tu veux les poissons. Mais c'est les poissons. Ils sont morts. Ils veulent pas. Ah bah, ils sont indisciplinés ces poissons.
Bah alors ? What the fuck ? Carpe. C'est pas de la folie, mais c'est quand même déjà une... Ah, je croyais qu'elle faisait 21 kg, je croyais qu'elle était petite pour 21 kg. 21 cm. On est d'accord, le pantalon rose va pas du tout avec. Bon, visiblement, ils sont pas très fans des appâts mécaniques. Au moins sur la pêche d'un poisson. Suicidé aux yeux de Jade. Yay. Et joli petit poisson. Et joli petit poisson. Bon, bah on s'arrête là pour aujourd'hui. On va tout de suite... virer ce pantalon qui ne va pas du tout, hein, qui ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout avec cette tenue. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de tenues qui peuvent aller avec ce machin. Non. Non plus. Toujours pas. Ouf, ça fait très Steve Urkel. Donc vu ça va pas, vu ça va pas, vu c'est pas pas vu ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah mais du coup il me fiche pas l'apparence que j'ai. Nyeh. On retourne. D'accord, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Ok, donc je ne peux pas faire de comparaison avec ce que je voudrais. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez. Mais non, 4. On va pêcher encore un petit peu quand même. Même si je viens de vous dire au revoir. En vrai, ça va. Poisson pilote. Ah. Ah oui, d'accord. Le jour où je vais reconduire, je dirais que c'est un vrai poisson pilote. D'accord. Ça bug pas mal, hein. Bon, allez, on va pas se casser la tête plus longtemps. Ça ne veut pas, ça veut pas. Hein. Allez.
ta 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 ta